est-ce que tu pourrais mettre ta photo sur le trombinoscope, histoire que je vois ton visage, et j'aime bien avoir la mouille et tout. I'm not speaking. Bon, mineur spotted. Avec quel âge? Ah, Lucie, toujours là, Lucie. Moi, oui, je suis en train de vous demander. Lucie, tu parles. Lucie, t'as quel âge? Je vais sur 25, et vous? Non, moi, j'ai 28 ans. Moi, j'ai 17 ans et je suis toujours au puceau. Est-ce qu'il y aurait bien une fille qui pourrait m'envoyer son snap, histoire de faire connaissance? Non, 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 mais à ta voix, je sais direct que t'as ni l'âge que t'as, ni que t'es puceau. T'es un gars de 22, voire 25 ans, puis t'es pas du tout puceau. Hein. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai 35 ans. Je suis en train de berner quelques enfants, histoire d'arriver à mes fins. Non, lui, c'est Marc Dutroux, c'est un pédophile. Pédophile. Non, je déconne. C'était une blague. Je rigole. Non, je rigole. Hé, hey, Lucie, t'as quel âge, toi? Lucie, t'as quel âge? Oh là là, dites votre âge en presque en même temps, non? Moi, j'ai 24, je vais sur 25, et vous? Moi, j'ai 35 ans, moi. Moi, j'ai 16. Moi, j'ai 30 ans. Et toi, la grosse voix? Ah, moi, j'ai 35 ans, et j'ai une bite molle. Lui, il a une voix de Robert, il doit avoir l'âge de 65. L'âge non, de mon non, papa. Non, non, il parle de sa bite, ça doit être un show, il doit avoir entre 17 et 20 ans, parce que c'est que entre 17 et 20 ans qu'on parle de sa bite. Mais comment tu le sais que j'ai 20 ans? Ouais, j'ai 20 ans, ouais. Parce que je te dis... Mais je suis vraiment une gamine ici, j'ai l'impression. Attends, tu m'as reconnu, ouais, hein. je suis youtubeur, ouais, tu m'as reconnu? Genre, t'es youtubeur. Ouais, et alors, tu serais impressionné, hein. Ah, t'as envie de me michto, hein. Regarde la meuf, elle sait maintenant que je suis un youtubeur, elle me michto. Rien à voir, absolument pas. Mais qui est youtubeur? Youtubeur d'où donc? Non, dis-le. J'ai youtubeur, j'ai 57 000 abonnés. Tu vas faire quoi? Bah. Ouais, attends, dis quelque chose. T'es pas Seb Lafrite? Non, t'es pas Seb Lafrite. Mais attends, mais ferme-la. J'ai une OPSP. Je gagne ton salaire, trois fois ton salaire, en même pas deux jours. Mais et alors? C'est bien. Bravo, bravo pour toi. On en a rien à quitter. Mais t'es vraiment youtubeur? Attendez, c'est vraiment youtubeur? Ouais, je suis vraiment youtubeur, ouais. Je suis youtubeur, je fais régulièrement des vidéos. Mais t'es qui comme youtubeur? Tu fais du gaming? Ouais, un peu de gaming, ouais. Je tiens à garder un peu l'anonymat. Ah bah je suis connu, ça. Je fais souvent des émissions avec Domingo. Et en ce moment, ouais, je raconte des couilles. Ouais. Non, ouais. Vraiment, je suis youtubeur, ouais. Mais t'es vraiment pas youtubeur du tout. Bah, regarde, ma chaîne, c'est Master Snaku. Ouais, bah, regarde ma chaîne. Regarde, ça s'appelle Mathieu le Pressé. Regarde. Moi aussi, je suis youtubeur. J'avais une chaîne YouTube, mais je l'ai supprimée. Regarde, Dwashby. Est-ce que tu peux regarder? Comme par YouTube. Hasard. Ah, comme par hasard. Alors, vous avez vu? Non, non, je rigole pas, je suis vraiment animateur et tout, je fais souvent des émissions. Ça, en fait, et ça s'écrit comment ton truc? Ça s'écrit comment? M-A-S-C-E-R-S-N-A-K-O-U. Non, K-O-U, ouais. Ouais, K-O-U. Et t'as un beau sourire. En fait, je me suis arrêté à M-A, hein. Vous êtes parti trop vite. Master Snaku. Master Snaku, ouais. Non, mais c'est vraiment toi? Ouais, c'est moi, ouais. Je fais souvent des lives sur Twitch. Ouais, non, c'est moi, attends, les gars. Attends, salut, attends, stop, arrêtez de parler, je vais écouter sa voix. Lui que le proverbe, si vous avez plus, à votre moment de gloire. C'est maintenant. C'est maintenant de gloire, ouais. C'est pas le. Ouais, que c'est maintenant de gloire, ouais. En fait, ils l'ont refermé, en fait. Ils l'ont refermé, en fait, ouais. Bah, c'est ma voix, les gars, c'est Mr. Snaku, ouais. Mais après, des fois, je la module un peu, tu vois. C'est Snaku. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, là, ouais. Mais c'est moi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay. C'est un let's play, les gars. Avec ma casquette, tranquille, on y va. Attendez, je vais écouter, attendez. Ouais, vas-y, raconte, je vais deviner. Je suis sûr à 100%, 1 000 000%, c'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Mais si, c'est moi, c'est Snaku, c'est juste que j'ai changé de micro. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as choisi ce YouTuber, enfin, te faire passer pour ce YouTuber-là? Tu l'aimes bien depuis combien de temps? En fait, je le suis depuis pas mal de temps. J'aime bien ses lives sur Minecraft. Et il fait des LAN sur des mineurs. Ouais, mais tu changes trop bien ta voix. Genre ta voix, c'est tes doubleurs. Ouais, ça, bon, ça perverse pas passé, effectivement, oui. J'ai travaillé dans le doublet, dans des sociétés de production, dans des films un petit peu olé-olé. Wow, il est trop fort, ma gueule. Wesh, ma gueule, il est 30 points qui représente RPZ. Du coup, il y a plus personne qui parle. Ouais, wow, mais il est trop fort, putain. Oh, c'est qui le Jean Rachid là qui parle depuis tout à l'heure, wesh? Oh là là! Mais comment tu sais que je m'appelle Rachid, franchement? Il ressemble à Kylian Mbappé, ouais, à savoir. Écoute ta voix, frère.
Ça va, Rachid? Mais c'est bien quoi, moi je m'appelle Rachid. Ouais, bien, et toi? C'est la moulaga, gros. Chant, la moulaga. Ouais, ouais, frère. Eh, hey, tu vois, toi, t'es youtubeur. Moi, je suis beatmaker, frérot. Ah ouais, vas-y, fais-moi un petit beatbox, alors. Bah, c'est pas un beatmaker, c'est pas un beatboxer. Moi, je fais les beats, je suis producteur, frérot. C'est-à-dire que... Envoie le sang, là. Envoie le sang, là, connard que tu es, là. Putain. Je vais t'envoyer le sang à Didan. Ouais. Je vais t'envoyer. Mais du coup, c'est quoi ta vraie voix? J'ai envie de savoir, c'est quoi ta vraie voix pour savoir si t'as quel âge, en fait. C'est-à-dire que je vais te faire la vraie voix, là. Attends, je vais faire la vraie voix, là. Il m'a demandé, j'étais couronné, quoi. Ouais. Allô, Martin? Oui, alors c'est ma vraie voix ici, là. Ça va. Salut, c'est Enrico. Comment ça va? La vérité, c'est qu'en ce moment... En ce moment, je suis sur chantier, je suis en train de préparer un petit dossier dans le textile. Passe au magasin, je te fais moi 100%, moi 90%. Est-ce que tu pourrais les voix d'une fille? Oui, mais t'es les voix des filles ou pas? Ah oui, mais une fille. Ok, est-ce que toi, tu pourrais me faire une voix de salope? Salut, moi c'est Sukaina et j'ai 14 ans. Pas mal, c'est intéressant. J'aime beaucoup, on pourrait travailler ensemble. Chalou, Gilberto, chama caralho. Chalou, j'adore Louvers, Louvers do Manacho Brasil, seus cavaleiros. Alei, o Gimão, tudo lá chatando, como se alemão, levar veneno, sou louco para cabanar, Rio de Janeiro. Já fui no controle do Patrinho, lá vem com Louvers, Louvers de Tito, de Las Gag, já tô no sucesso Las Gag do Kersh, na marcha. É, mas tu é um vrai pervers, toi? Non, je ne suis pas un pervers. Je me présente, je m'appelle Jean-François. Comment tu vas, jeune bougnoul? Ça va bien, sale raciste. Je ne suis pas raciste, je te... Attends, j'habite Poitiers et j'espère que tu ne le monteras pas plus au nord. T'es un raciste, toi? Non, mais dis ça pas... pour rire. Elle a l'air d'avoir plus de jugeote que toi, hein, Jean-Rachid. Déjà, je m'appelle pas Jean-Rachid, s'il te plaît. Jean-Rachid, je vais t'intégrer, je vais t'appeler dorénavant André Rieu. Tu peux m'appeler Richard, mais pas Rachid, d'accord? D'accord, oui. C'est cool, là, c'est le vote qu'il, Rachid, s'il te plaît. Comment se fait-il? En général, je pensais que les filles étaient... Mais continue ta voix de gay, c'est trop drôle, tu fais bien. Mais oui, mais moi aussi, je peux prendre une voix de gay, hein. Salut, oh, salut aujourd'hui. Ah salut, mais oui, hein. Alors, petite bien, pute. Hein. La semaine dernière, je suis parti voir Bernard avec Bertrand. On est parti se faire une afterwork, quoi. Donc j'ai pris une bière. Oui, je me rappelle un gars dans les cassos. En fait, t'es pas le gars qui fait les cassos, c'est la voix qui mais fait les cassos. C'est moi. C'est moi le gars qui fait les gars cassos. Hein. À fond, maintenant que tu le dis, on dirait le chat dans les cassos. Ah, bah, ma joie. Putain de merde! Comment est-ce que tu fais? Parce que. Voilà, moi je suis. Voilà, ça, je suis fier d'être gay. Hein. Est-ce que tu peux imiter la meuf avec le stylo à la robe rouge dans les cassos? Oui, tout à fait! Salut, je suis une jeune. Salut, je suis une jeune pucelle. J'aimerais bien me faire dépuceler par un compas. Voilà. Wesh, il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle Charlie. Dans l'épisode de Wesh Charlie dans les cassos. Au moins, on sait ce qu'elle regarde, un elle. Un jour, je suis sorti avec Philippe. Non, mais c'est ça m'a marqué les cassos, en fait. Philippe, de la 4e B, il m'a rentré son double décimètre. Il l'a sorti de sa trousse. À un moment donné, j'ai pas compris. J'ai commencé à mouiller et tout. J'ai eu des nouvelles sensations. Waouh, je suis trop fan. Waouh. Mais il me rappelle trop le gars dans les cassos. C'est un truc de malade. Il y a quelqu'un ici qui a déjà vu la série Poupée Russe? Il y a déjà ici quelqu'un qui a vu une belle verge. Oh là là, ça fait deux plus de meurs. Je rigole. Hey, respecte ma maman. Quelqu'un peut m'expliquer? T'as plus de sœur là, qui mouille du cul. Laisse ma sœur tranquille, je l'ai doigtée pas plus tard qu'hier. Elle a grave aimé. Elle sent le poisson. Leur chatte, ça sent le mauvais. Une fois, je me suis amusé à rentrer des concerts dans la chatte à ma sœur. Nous allons bouffer de la chatte à sa sœur. Nous allons... Et la console était tellement rouillée qu'à un moment elle s'est fissurée. T'as de vue d'arrêter, s'il vous plaît, il y a des enfants. Il y a des enfants. Ne sa maman dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Bonté Barriro. J'encule dans ma mangière. Je la
te Jean-Rachide, je vais te ramener à la frontière. Dans ton zodiac. Bravo, bravo, applaudissez les gars, s'il vous plaît. Missy, t'es toujours là? Ah, ils m'ont ban. Bon, bah, nickel, c'était pas mal. Bon, c'était un premier G, c'était un premier lancement, histoire de faire une petite intro, les gars, tranquille. Pour que ça démarre un peu sur les chapeaux de roue, hein. Vous aimez bien hein, quand ça démarre comme ça. Je vais regarder juste un truc, s'il n'y a pas un dernier. Tu vois des fois comme ça, tout tourne autour de nous. Sans trop savoir pourquoi. Personne. Ah, c'était cool ça. C'était quoi ça, je ne sais pas. De quoi ? Il y en a un, c'est lequel qui mange du porc ? Moi je mange du porc. C'est lui. C'est qui ? Moi. Je sais pas. Ben moi. Alors faut savoir que dans le porc tout est bon, hein. Il faut. Quoi ? Mets pas tes mains. Hé la mère de famille là, tiens ton gosse et casse pas les couilles. Ouais, reste pas sur, reste pas sur cette appli. Moi je te le dis. Mais. On est radié. Même les examens, on va pas les passer. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va... Je sais même pas. Ouais, c'est vrai, à l'université, c'est pas maintenant. Ouais, non, c'est chaud. Je sais pas comment ça va se passer. Ça va être... Ça vous a tué l'année, là, hein, franchement. De dingue, vraiment. Inch'Allah, khair. Et ouais, les gens, vous faites les hdiden. Pourquoi vous parlez pas? Salut, salam alaikum. Alaikum salam. Enchanté de vous connaître. En écoutant vos voix, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un HLM. À vos côtés, enfin, ressentir un peu votre douleur que vous avez d'être confiné dans 15 mètres carrés. Excuse-nous, monsieur le ministre. Non, c'est juste que j'habite à Chantilly, dans une belle demeure, avec un très beau jardin. Moi, j'ai l'impression d'être sur un plateau télé. Parle tranquille, mon cousin, détends-toi. Oui, non, je suis tout à fait détendu. Ah, il parle dans la vraie... Oh, non, moi, je ne vais pas parler avec des gens comme ça. On va parler, nous aussi, on va parler comme des ministres. Donc, aujourd'hui, vas-y, continue. Je ne pensais pas que les gens d'en bas, la France d'en bas, avaient le sens de l'humour. Oh ben, tu sais, tout le monde a le sens de l'humour. Hein. D'accord, et vous avez les mêmes programmes de télévision, la même culture, c'est-à-dire les émissions de radio, le théâtre, vous en profitez un petit peu, vous avez des bons de réduction avec les allocations? Ben, écoute, on est en confinement, du coup, théâtre ou quoi, on ne sort pas, tu vois. D'accord, très bien. Mais prévoyez-vous un jour de lire des bouquins, de vous cultiver un minimum? Ça vous ferait du bien, vous savez, en ce temps difficile. Ah bah, il m'a banné. La carte Paris Famille. Ah, les bâtards, ils sont... Elle arrache, elle arrache. Elle est excellente. T'as vu, Choupa, elle était bien, elle, hein. Elle était bien, elle était marrante. Répondez, s'il vous plaît. Ouais, salut, enchanté. Enchanté. Ah, ça fait plaisir d'avoir une demoiselle qui anime un peu son live comme il se doit. Tu fais quoi comme contenu? Ça, c'est le loisir des pauvres de regarder très tard la télé avec leurs copains sur WhatsApp. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprendrai pas. Je suppose que vous regardez M6, non? Non, je suis québécois. D'accord. Ah, t'es un homme? Québec. Hein? Quoi? T'es un homme? Ouais. D'accord, ok. Bah, ça ne m'intéresse pas. Je m'en vais. Oh là 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 là. Les petites Saint-Jacques. Ces Galiciens sont des putains de génies. C'est quoi ce truc? À toi de voir, mais ça, à Gérone, il n'y en a pas. Mais t'es sérieux? Tu mets un film sur l'application, mais t'es con. Une histoire d'entreprise qui détourne des fonds vers Andorre. C'est une punition. Écoute, mon vieux, grâce à toi. Mais les gens sont fous. Vous aviez reconnu? Il n'a pas de cerveau, lui. Et c'est les malécoms?
Casse-toi, ton pire. J'ai pas franchi. Amélie, c'est Indochine ou quoi? Ça va? Ta gueule. J'ai habité l'Algérie. Je suis très content pour boire les jus d'orange. Je m'en bats les couilles. Tu es français? Je m'en bats les couilles, pour ta vie. J'ai fait les mariages pour faire les papiers. C'est bon? Oui. On peut faire les mariages pour aller en France. Tu es français, oui? Vas-y, ta gueule, toi! Fous ta gueule! Je suis algérien. Tranquille, je m'en bats les couilles. Bref, wesh, c'est qui vient de rentrer là? C'est la Kurde qui vient de rentrer. Ça va? Oui, ça va, c'est vrai, c'est Amdoudlé. Mais ouais, je t'entends même pas, il parle lui, ce trou de balle. Vas-y, casse-toi! Dis-moi pardon, j'ai pardon. Oui, allez, vas-y, casse-toi. Ok, je vais partir. Avant de partir, il faut que tu me chantes la chanson. Non, reste. Vous m'avez trahi, c'est comme ça. Et on m'avez trahi, c'est comme ça. Vas-y, chante ça. Non, casse-toi. T'as rejeté ta pigeon ou quoi? Voilà, t'es plaît. Toi, tu es ma pute de luxe. Tu comprends? Star Wars. Voilà, casse-toi, trou de balle. Non, reste. Mot... Arrête de me parler comme ça. Je suis en Algérie. Si tu continues, je vais t'envoyer une lettre avec du Lanthrax. C'est très beau ça, Lanthrax. Tu vas respirer bien. C'est un trou de balle. Ouais, je viens de voir ça. Est-ce que tu aimes la poudre blanche du Lanthrax? Très bon. C'est très bon pour la famille. Et ouais, Amélie, ah ouais. Parle français, parce que moi je comprends pas en fait. Je parle français, mais je maîtrise un petit peu. Et toi, tu parles français? Mais je suis française, trou de balle, frère. Enfin, je suis d'origine algérienne, mais tu vois, je suis française. D'accord, très bien. Ah, c'est Algérie. Alors, Selem, ça va? Selem, la baisse. La baisse, rouillard. La baisse, vas-y. D'un coup, je me sens un peu plus intégré. On dirait pas, Anas? De ouf. Non, vas-y, casse-toi. Vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Henri. Mais on sent pas les goûts de ta présentation, Henri, je sais pas quoi. Mais tranquille. D'accord, je suis viticulteur dans le Loir-et-Cher. On dirait un robot. Ça y est, oh là. Je m'appelle Génialo. Ok. Mon détecteur de puterie a détecté un taux très élevé. Okay. Mais wesh. Voilà, on dirait Sirio. Vas-y, casse-toi. Je ne peux pas me casser. Je suis là avec vous. C'est un robot. Je suis Génialo, le robot. Je détecte en vous un taux très élevé d'épices arabes. Avez-vous été confronté avec des arabageois? Ah ouais. Content de vous faire rigoler, mesdemoiselles. Attends, mais wesh. Alerte, alerte. Zodiac en vue sur les côtes de la Bretagne. Quimper. Starfoula Lila. C'est un mot en arabe. Starfoula Lila. Starfoula Lila. Voilà. Avant de commencer quelque chose, je dis toujours Bismillah Rabbal Rahim. Pour contrer un arabe, je réponds souvent Nadine Mouk, Nadine Bébek. Il est trop fort, oui. Je sais pas comment il fait pour parler comme elle. Je sais pas. Je suis le robot Génialo. Enchanté ouais. De vous connaître, mesdemoiselles. Attends, tu t'appelles comment? Je m'appelle Henri. Henri Salvador. Putain. Je dispose d'une fortune illimitée. Je pourrais vous sortir du confinement et de votre misérable pauvreté. Ah ouais? Mouk El Karba, que tu es. C'est quoi ce fou? Viens avec moi et je te mettrai une antenne parabole dans ta chatoune. Tu aimes les antennes paraboliques? Je suis diabolique, non. Et même parabolique. Je suis morte. Je fais également des épilations laser sur le pubis. Je
trop drôle. Analyse de dot en cours. Il me faudra 50 chameaux, 3 chèvres et 2 ânes pour vous acheter, bande de mythos. Mais comment il fait en vrai? C'est êtes-vous des Renja? Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Je suis sorti de moi avec une carlouche. Une j'aime le cul rose. J'aime quoi? Ah, les culs roses. Kerba. Ah, que veut dire kerba de chienne? Ça veut dire quoi? Hein? Maltabon mok binin. T'as qui l'autre, Yazebi? Est-ce que tu es une Eulel, Yazebi? Ouais. Une Eulel. Il est con. Et toi, le Hajel, aimes-tu le Gouhoud? Ça veut dire quoi, Gouhoud? Bezerba, Tramtek, Mazina, Yazebi. Ah, il est encore fou, ce mec-là, tête de... Tramtek, Mesiana, Yazebi. Ah non. Ashno, Banelik. Ah non, ah non. Tramtek, Mazina, Yazebi. Chienne de pute, j'y baisse ta culotte, Yazebi. Putain, j'ai cru, t'avais perdu. Rote et Kouvoud, je bouffe ta culotte, Zebi. Chienne de pute, j'y baisse, culotte. Go, Valorant, sale pu. Ah, il est trop fou, ce mec, Allah. Big and weak. Hein? Brit and weak. Non, bah là, non. Je comprends pas. Carlouche des enfers. Là, il voulait dire Brit Narwick. Ah. Brit Narwick, exactement, monsieur le rebeu. Machi Moshkil, Brit Narwick. Comment tu fais pour aller comme wesh? J'enchaîne avec un Space 12. T'as dit quoi? Camolox, j'ai gagné. Ich möchte euch ein Ruck durch Deutschland ein bisschen Atmosphäre kochen. Deutschland in Eis, il fait ein Programm und ein Vor. Ah. Ça a bugué. C'était Anas? Oui, grave. Quand il a commencé à parler, ouais. Je sousse des beats pour Win. Ah. Mosca Halouf, Mosca Halouf, Mosca Halouf. Je veux drop shipper dans ta Schnexer. Nadine Panimou, pas roscaillée. C'est quoi ce narvalo? Narvalo, répondez-moi, jeune pucelle des îles. Avez-vous déjà eu un rencard avec un homme zizi? Ta gueule. Ramza Faelnek. Nekomouk, fils de pute. C'est-à-dire que vous incitez là, mais je suis arrivé du continent, quoi. Pourquoi les abouter les Africains là? Pourquoi tu... Mais arrête ton... J'ai giflé. Allô. Oh, allô. Tranquille, quoi. Non, maman. Nantele ou un. Premier gars là, Wadi Aram. 10 000, ça y est, là. C'est trop fort. Ça veut dire quoi, là, voilà? Attention, les Arabes, ils disent voilà. Malata aye, malata minoto. Imagine le bourreau qui va chez lui. What do you want, sir? Tandoori chicken. Good morning, sir. I have order for you. Burger. What do you want, sir? Parlez français, s'il te plaît. Oui, ouais, oui, je parle français. C'est très bon. La France, c'est très bon. C'est très bon. J'ai d'orange, des pommes, j'ai d'orange, des ananas. C'est très bon. J'ai pris le Chalet Hamout, Edouard Hanout, Chalet Hanout. J'ai pris le Selecto, c'est très beau le Selecto. Miranda Orange, Miranda des Frises, Miranda ouais. Des Pommes. J'ai collectionné tous les Miranda, c'est très beau. Okay. Very good price. Et toi, tu as une very good price ou pas pour la femme, pour prendre les papiers? Papier à paille, papier à peau. Ah, c'était sympa, sympa, ça change un peu. On y retournera de temps en temps. Bah, c'est super, ça. Ouais.
Bonsoir, est-ce que vous savez si je peux trouver une prostoutou dans le coin sur cette application? Vous trouvez quoi? Une prostoutou, une prostituée. Oula. De l'internet. Une fille avec qui je pourrais faire du téléphone rose, c'est-à-dire... Non. Mmh. Je sais ce que c'est. D'accord, très bien. Bon, je vais aller sur une autre application. Là. Non, reste, on t'a retrouvé. Ah d'accord, ah vous me connaissez. Oui, je suis toujours l'animateur radio. Oui. Putain, j'ai trop l'impression que c'est Anas en vrai. Oh, et oui, tu m'as reconnu, ouais, c'est Anas. Ouais. Ta gueule. C'est abusé. Et vous parlez mi sol mi fa à travers la chatoune chérémiste. Elle est si belle, aime la parabole. Elle regarde la délai d'Algérie. Vive au Pernès, le Ramdoun. Elle va manger des samosa. Des petites briques, elle va emballer dans son clito. À travers ce piano forte. Tu peux regarder un robot là? Et toi, est-ce que tu peux juste fermer ta gueule? Est-ce que tu peux terminer? Aïe, 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 aïe. Ah, coup dur pour la joueuse semi-maghrébine, coup dur pour elle. Va-t-elle s'en remettre? Nous le saurons dans le prochain épisode de Perdu de Recherche. Semi-maghrébine. Je crois que... Alors, quand elle accuse le coup, elle aura du mal à s'en remettre. Elle essaie de toujours trouver des paroles pour exprimer peut-être sa rancœur, sa haine envers moi. Mais elle n'a pas les mots. Elle n'a pas les mots. Car c'est une victime, je la maltraite oralement, comme je maltraite sa bouche avec ma bite. T'as des problèmes. Clairement, le confinement, il te monte à la tête. J'ai honte. Ça sent pas le pied mort, elle. J'arrête. Non, je tiens à m'excuser, t'es gentil comme tout, j'aurais pas dû avoir des propos pareils. Est-ce que veux-tu bien m'excuser? Oui. C'est le confinement, je t'assure que c'est le confinement, je voulais pas être aussi vulgaire avec toi. Je pense que t'es une fille bien, on pourrait apprendre à se connaître et s'échanger quelques... Ah, tiens, un rabat-joie. Oui, vous allez bien? C'est vrai que je vous aime. Je le répéterai jamais assez. Hein. Allô. Allô, salut, comment ça va? Ça va? Alors, comment c'est très bien? Ça a préparé des couscous? Quoi? C'est le business. Cousine, t'es la cousine? C'est qui la cousine? Non, c'est Chouab Zouk. Hein. Ah, tiens, Jay. Moi aussi, je suis. Ok, d'accord, je suis à Mamet, Tuns. On est allé à Abed, à Tuns. Moi, je suis Mohamed de l'Algérie, à Oran. L'Algérie, c'est la famille, c'est les frères. Ça, c'est la Tunisie, ici. Oui, bien sûr, mon frère. Ça va ou quoi? Vive l'Algérie, hein? Taïa Djazair. La Havdek, mon frère. La baisse, ici, ça va. J'ai trouvé les papiers, je suis arrivé en France. Je suis à Marseille. Et comme moi, je suis venu. Oui, vous avez fait comment? Vous avez trouvé le bateau aussi? Voilà, c'est bon. Alors... Tu vas à Alger, tu demandes à Mohamed Kassam. Tu demandes à Mohamed Kassam. Tu lui payes. Moi, j'habite à Paris, à 18e. Ah, tu es arrivé aussi. Moi, j'y suis arrivé avant le confinement. Oh, non, moi, non. Tu as fait comment, les Zodiac? Tu as pris le bateau? Les bateaux? Non, je suis maintenant en France. Hein. D'accord, mais tu as fait comment pour arriver? Moi, j'ai pris le bateau. J'ai fait l'Italie. Après, j'ai traversé la frontière. Et toi? Moi, je le réforme maintenant. D'accord, tu as des visas? Non, je suis un harak. D'accord, c'est carte de séjour. D'accord, très bien. Tu vas à la préfecture. Viens, tu passes à Crité, préfecture du matin, 5 heures. Viens avec moi. Moi, je n'ai pas de papiers en France. Ah, tu n'as pas les papiers en France. D'accord, pour avoir les papiers, tu demandes. Tu connais Bachir Abdelhamed. Tu demandes lui, tu appelles, je te donne le numéro. Il va faire les papiers, tout. Il habite où, Hamad? Il habite à 3 avenue de la police nationale, à Quimper. Tu veux le papier?
Oui. D'accord, je te donne. Attends, je prends les stylos. Attends, les feuilles. Attends, attends. La rue de la police. Tu notes, hein, tu vas tout noter. Hein. Oui, oui. Alors, tu comptes. Allez, vas-y. 06 45 Zéro... 39. 06 49. 45, 39, vas-y. 66, 66. 45. Tu demandes 36 rue Quai des Orfèvres, à Paris. 36. Quoi? 36 rue. 36 rue. 36 Quai des Orfèvres. Vas-y. 36 Quai des Orfèvres, 75. 75. Ils vont te faire le prix, tu vois, ils vont te faire le papier. Ça va être un papier qui va tout passer, tu vas faire tout passage. Ah, oh, ok. Et tu envoies la lettre, c'est important, tu envoies la lettre. Tu demandes Abdelkrim. Il va faire les papiers et tu vas venir à rendez-vous. Mais... rendez-vous à la... Tu veux le rendez-vous, c'est à Créteil. Tu demandes... Ah, Créteil. Hamza, tu demandes Hamza, Créteil. Et combien... À l'adresse. Le papier, c'est 75001, l'adresse, à Paris. Ah, ok. Moi, 18e, hein, c'est... D'accord, c'est 18e, d'accord. 36, Quai des Orfèvres, 75, 0, premier arrondissement. Oui, j'ai marqué. D'accord, tu demandes... Hamselef, le prix. Hamselef. Oh, c'est Hamselef. Oui, c'est très bon. Ok, je... Et après, ils te donnent une carte de séjour. Carte de séjour valide, c'est valide un an, carte de séjour. C'est bon? C'est bon, oui. Mais il faut envoyer, il faut parler français. Tu parles français? Ah, c'est pas beaucoup, mais je parle. Comme si, comme ça. Inch'Allah, ça va marcher, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi, oui. Oui. T'inquiète. Quand tu arrives... Fais attention, parce qu'ils ont la police, ils sont très méchants, hein. Ils font les flashballs sur... Fais attention, hein. Oui. On n'est pas à l'abri. Moi, j'ai évité le retour charter, on n'est pas à l'abri, fais attention. Hein. C'est très dur. Oh, d'accord. Est-ce que tu sais chanter Aïcha? Aïcha, écoute-moi. Est-ce que tu sais chanter la chanson? Aïcha, écoute-moi. Ya Raya. Vas-y, chante-moi la chanson, ouais. Ya Raya. Fais-moi plaisir. Ya Raya, oui, Msaber. Oui, vas-y, allez, bismillah, on chante. Allez. Ya Raya. Allez, chante la chanson. Il allait se mettre à chanter. Oh, je kiffe. Se refuser à payer, mine de rien, ouais. Alors, je sais pas si c'est vrai ou c'est le site trollé de son côté. Mais s'il trollait pas, putain, c'est triste, mais c'est trop mignon, quoi. Merci, Merwan. MCLF Azabi, merci pour les dons. Et merci pour le 666. Tu penses qu'il trollait pas? Ouais, c'est compliqué, hein. Je sais, la situation pour certains en France. Merci, Akros. Là ouais. Non, mais c'est un faux numéro. J'ai mis 66-66 pour faire exprès après. T'as vraiment un numéro. Voilà, non, impossible. Qui se termine par 66-66, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais, les, tout ce qui est numéro, je sais que Twitch, ils aiment pas du tout quand c'est drop dans le. Parce que ça peut être un numéro qui appartient à quelqu'un, quoi. Et merci pour le gros don de Merwan, 20€, merci beaucoup. J'ai oublié de remercier Insergame qui me dit de rire, t'es de baisse pour les 3 mois. Merci, je sais pas s'il est encore là. Je te fais un double tap. Merci à SwissBeat, 31 mois, dédicace à Jean Lassalle. Merci également à la voisine qui m'a fait un don. Et en plus, j'ai pas donné exactement. Ouais, j'ai donné. Ouais, merci, je suis pas de me cover. Mais le numéro n'existe pas. Arrêtez de dire des bêtises, c'est un faux numéro. Pas trop fort la rage, ouais, t'inquiète. Non, ce Shiba Inat. J'ai un test que tu peux troller. Non, on me l'a déjà fait. Bah, n'appelez pas, putain. Arrêtez de dire. Alors, arrêtez de faire des conneries. N'appelez pas le numéro, les mecs, calmez-vous. C'était pour rendre le troll réaliste.